Avec Tom Ernest, ligne bleue, le tir est stoppé, mais récupéré par Eric Fer. Tom Ernest encore, Omar, et c'est au fond. Alors, il a fallu 54 secondes pour que Genève ouvre la marque à la Vaudoise Arena consécutivement à cette faute de Malguin sur Tom Ernest. Et à la deuxième minute, c'est Omar qui met sa patte sur ce but. Un premier arrêt et puis Tobias Stéphane qui n'a pas le temps de se déplacer pour aller chercher ce tir. Oh, il y a déjà un arrêt incroyable de Stéphane puisque ce puck a été dévié par un jeune. Oh, superbe la passe de Memento. Grosse patience du Hudon et là il y a un sauvetage sur la ligne. Il y aura une pénalité. Et ce puck est au fond. Finalement c'est l'égalisation. On la sentait venir. Hein. Ces quelques secondes ont été... C'était la danse du scalp autour de Gauthier Desclous. 11e minute, Lausanne revient au score sur ce tir de Lucas Frick qui a été freiné, qui frappe le cadre. On va voir. Ah, c'est un jeune voix, il me semble, qui dévisse cette rondelle. Ouais, c'est Tom Ernest. Et puis ensuite, Hudon qui a un tout petit bout de ce puck qui rebondit sur sa croche. De l'effectif permet de rêver un power play. Réussi, et voilà, il suffisait de le dire, et c'est 2-1 grâce à Kennings. On parlait des qualités de buteur de Ronald Kennings il y a à peine quelques minutes. Et bien il marque le 6e but de sa saison et prouve que le powerplay lausannois peut très bien fonctionner. On revoit Hudon, le tir de Genazzi, une passe, ouais c'était là, ouais, bah, c'était directement Kennings qui a voulu transmettre ce puck à Gibbons et finalement sur le puck qui revient vers lui du revers, il glisse ce puck au fond, 2-1 avant que ça se passe. Tobias Stéphane n'est plus du tout dans sa cage et Linus Omark après 17 secondes marque son doublé de la soirée pour Omark. Les Lausannois étaient complètement perdus après 17 secondes seulement de 5 contre 3. On a vu Tobias Stéphane à terre, ramper dans un sens et dans l'autre. Regardez, il est déjà sur les genoux. Ouais, il y a eu 2-3 allers-retours avant. Et là, Omar qui trouve la faille malgré la présence d'Elner sur la glace. Là, on revoit Stéphane à terre d'un côté, ça passe de l'autre côté. Tom Ernest qui feinte le shoot, il est par terre à nouveau. Et au moment où il se remet debout, il ne peut pas rattraper ce puck d'Omar. 2-2, tout est à refaire pour les Lausanne. Avec Tanner Richard. Richard qui a parfaitement éliminé Gibbons. Oh, superbe! Richard pour Rod. Mais alors, la feinte de Tanner Richard pour éliminer Brian Gibbons. Un vraiment chapeau à ce moment-là du match, avoir cette vista-là. Il y a certaines fois où il nous plaît un petit peu moins, Tanner Richard. Mais en tout cas, là, il a fait le nécessaire pour que Genève reparte avec. 2 points de la Vaudoise Arena. On revoit la passe parfaite pour Noah Rod qui marque en prolongation. 3-2. Bien messieurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette rencontre, mais on aurait bien voulu savoir quelle ambiance on aurait pu avoir dans cette Vaudoise Arena et si ça aurait pu changer un petit peu.